Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui, on va faire une séance de Yin Yoga, toujours sur le thème des poumons et du gros intestin, pour continuer à travailler sur notre courage. On va continuer dans ce thème-là jusqu'à la fin du mois, donc pour essayer aussi de tenir jusqu'au 11 mai. Et je vous prépare quelque chose pour le mois de mai, pour qu'ensuite on se retrouve tous, mon cher et en os, dans cette salle qui vous attend depuis quelques semaines. Donc on va commencer cette séance par nos respirations préférées pour ne pas les laisser de côté si vous commencez ces séances sans y penser. Et on va commencer donc par une respiration égale, bien sûr, avant tout. On se pose, on ferme les yeux et on se connecte avec sa respiration naturelle. Connectez-vous sur l'air qui entre et sort au bout des narines. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez commencer une respiration égale. Et si vous voulez utiliser Ujjayi, vous le pouvez, la contraction de l'intérieur du fond de la gorge. Donc dès que vous êtes prêt, vous expirez. Et on va faire 10 tours d'inspire, expire égal, avec 5 secondes à l'inspire, à l'expire, ou moins ou plus, comme vous le sentez. On est parti, on inspire. Reconnectez-vous à votre respiration naturelle. Peut-être même voir une inspire-expire profonde avant de se reconnecter. Pour tous ces exercices de respiration, n'hésitez jamais à bouger les jambes, à changer de position. Par exemple, à venir vous asseoir sur les pieds, avec les mains sur les jambes. On va faire la respiration inspire, expire, inégale. On peut faire 5 secondes en inspirant et 10 secondes en expirant. Vous pouvez aussi, vous connaissez bien sûr la respiration inégale en inspirant plus longtemps qu'on expire, mais là on essaye de calmer le système nerveux, donc on préfère faire des expires plus longues. Donc vous pouvez choisir 5, 10 ou 4, 8 ou 6, 12, comme vous le voulez. On va aussi faire 10 tours de cette respiration. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, expirez tout l'air et vous pouvez commencer. Thank you.
Revenez à une respiration naturelle. Restez là où vous êtes. Relâchez-vous complètement et observez votre ressenti dans le mental et dans le corps. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous allez ouvrir les yeux et on va venir se positionner dans la première pose. Donc, je vous invite à venir dans le long de votre tapis. Aujourd'hui, on va essayer de faire cette séquence sans ou pratiquement sans matériel, sans accessoires, mais bien sûr, vous aurez quand même besoin de votre tapis. Donc, vous venez mettre les pieds l'un contre l'autre, la pointe des pieds l'une contre l'autre, on va faire le papillon. Donc vous pouvez tout simplement venir mettre les mains sur les pieds et relâcher la tête vers l'avant. On va rester ici 5 minutes. Observez la pose, observez comment vous vous ressentez cette pose. Relâchez bien le dos, relâchez les cervicales, relâchez tout et laissez le haut du corps descendre vers le pied. Quand vous sentez que vous êtes à la limite de votre confort agréable, alors venez observer votre respiration. Vous pouvez décider de rythmer cette respiration par peut-être une expire longue pour vraiment profiter de la relaxation.
Prochaine inspire, remontez. Pour la prochaine pause, nous allons laisser les jambes telles qu'elles sont et venir s'installer sur les avant-bras à l'arrière. Alors vous pourrez soit relâcher la tête, soit la main venir en l'air. À vous de voir comment vous vous sentez. Ici, on appelle cette pause la pause du poisson. On va rester dans cette pause pendant 3 minutes. Si la pose devient trop intense, si vous avez la tête en arrière, remontez-la et relâchez-vous. Vous pouvez aussi décider de mettre un bloc sous la tête pour ne pas avoir trop de tension sur les cervicales. La moitié de la pause. Pour revenir, sortir de la pause, remonter la tête et remonter les jambes. Venez allonger les jambes et remonter tout doucement à la verticale. On va venir s'installer sur le tapis, sur le ventre, dans la position du phoque. Et on va rester dans cette position pendant 3 minutes. Vous pouvez le faire sans coussin ou avec un coussin. Vous contractez bien l'intérieur des jambes et vous contractez les abdos pour ne pas vous faire mal au bas du dos. Et relâchez les épaules. Vous pouvez relâcher aussi la tête vers l'avant.
T'as la moitié de la pose. Ressentez bien tout le corps dans cette pose. Sentez que vous travaillez sur le dos, sur les bras, les épaules, mais aussi les jambes sont légèrement engagées. Et laissez-vous aller avec la respiration, soit une respiration naturelle ou une respiration contrôlée. Et redescendez, mettez les avant-bras sur le sol et venez mettre la tête sur les mains, les doigts de pied vers l'intérieur. Restez ici 5 respirations. Revenez, mettre les mains sous les épaules. On va passer à la prochaine pose, la pose de l'enfant. Vous installez, peut-être avec les genoux légèrement écartés. On va rester dans cette pose pour 5 minutes. Donc vous venez mettre la tête sur le sol ou sur un petit coussin, comme vous voulez. Les genoux fermés ou les genoux ouverts et les bras vers l'arrière. Si vous voulez le faire sans coussin, allez-y. Vous allez aller plus profondément dans la contraction de l'abdomen aussi, dans le relâchement du bas du dos. Ici, vous pouvez faire des respirations égales si vous sentez que vous en avez besoin. Sinon, vous laissez la respiration naturelle se faire.
Donc à la moitié de la pause. Prochaine inspire, glissez les mains vers l'avant et remontez le dos tout doucement. À la verticale. Et venez vous installer dans la position du quart-chien. Vous allez avoir les genoux légèrement ouverts. On va rester ici 3 minutes de chaque côté. Donc on va avoir les genoux légèrement ouverts et on va venir plier le bras droit et tirer le bras gauche à l'avant, placer la tête sur le sol. Et les jambes sont à 90 degrés, les genoux en dessous des hanches. Inspirez et expirez profondément, laissez ouvrir la cage thoracique. Et vous pouvez faire des grandes inspires et grandes expires. Commencez par des respirations égales. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre la main, c'est à la moitié de la pose, mettre la main sous le front et faire une pression sur le front. Vous travaillez sur le point d'acupression entre les deux yeux.
en ramener. Je vais faire une transition vers la position de l'enfant pour 5 respirations avant de recommencer de l'autre côté avec donc le bras droit tendu, le bras gauche plié. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez vous installer. Donc le bras droit tendu, le bras gauche plié, tout d'abord sur le sol. Celle des respirations égales. Positionnez-vous d'abord pour bien sentir l'ouverture du cœur, l'ouverture de la cage thoracique des poumons. Et ensuite, vous pouvez observer la respiration. On est au milieu de la pause. Vous pouvez ajuster si vous sentez que vous en avez besoin. Et retourner à la pause. Et glisser pour revenir dans la position de l'enfant pour 5 respirations. Mettez les bras vers l'arrière et le front sur le sol. Vous remontez dans votre position, inspire, tout doucement. Et on va passer dans la prochaine pose qui est la pose de la pince. Venez vous installer, les jambes vers l'avant. Alors ici, pareil, vous pouvez le faire avec des coussins ou sans coussin. Essayez peut-être pour une fois de le faire sans coussin et de voir jusqu'où vous pouvez aller dans la recherche de votre limite confortable. On va rester ici 5 minutes. Mettez les mains sur le sol. Vous pouvez les retourner paume vers le ciel et relâcher la tête.
Vous allez voir que vous allez évoluer dans la pose. Les coussins sont bien lorsque on a besoin d'un confort pour éviter de se laisser aller peut-être un peu trop. Mais là, on essaye de trouver sa limite confortable et on essaye de jouer avec cette limite tout en gardant à l'esprit cette gravité qui nous ramène vers la terre, vers la stabilité et l'enracinement, la terre nourricière. Laissez-vous aller. On est au milieu de la pause. Continuez à vous relâcher. Allez plus loin si vous le sentez, si vous sentez que c'est encore agréable et que vous n'avez juste qu'à repousser les limites du confort dans lequel vous êtes. Ressentez toutes les sensations qui viennent à vous dans le ventre, dans la poitrine, dans le dos, dans les reins, dans les épaules, les omoplates, dans la cage thoracique, toutes ces régions de votre corps qui vous permettent dans cette pose d'être explorées au plus profond. Dans votre prochaine inspire, remontez légèrement la tête et faites glisser les bras pour les ramener près des hanches et remontez la colonne. Ici, on va venir pour s'installer dans la prochaine pose, la pose de la torsion. On va rester 5 minutes au total, 2,5 sur chaque côté. Venez vous installer, allongez-vous, mettez les bras sur le sol tout d'abord, placez-vous bien et ramenez ensuite les genoux vers la poitrine.
Venez mettre les genoux sur le côté gauche et ajustez votre pose. Et ensuite, tournez le regard vers l'autre côté. Prochaine inspire, la tête au centre, on ramène les genoux au centre, on s'installe pour partir de l'autre côté, genoux vers la poitrine, partez vers le côté droit. Installez-vous et relâchez-vous. Prochaine inspire, la tête au centre, les genoux reviennent au centre. Alors pour la position de relaxation, Shavasana, vous pouvez rester les genoux ensemble,
avec les pieds tournés vers l'intérieur, les bras le long du corps, ou vous pouvez venir dans la position de Shavasana, complètement allongée. Et peut-être cette fois-ci, essayez de le faire sans bolster, avant que vraiment vous ayez des soucis de confort au niveau du bas du dos. On va rester ici 5 minutes. Lâchez ici tout le corps, ressentez tous les bienfaits de ces différentes poses qu'on vient de faire. Tout le haut du corps, mais aussi peut-être dans les hanches. Donc on a essentiellement travaillé sur le haut du corps pour ouvrir les méridiens, nettoyer les méridiens des poumons et du gros intestin. Essayez de ressentir la trajectoire de ces deux méridiens. Qui passe dans les bras, depuis le bas de l'abdomen, voire jusqu'à la gorge, à la tête. Donc relâchez-vous bien. Et enfoncez-vous complètement dans cette relaxation le plus que vous pouvez.
Faites une grande inspire, une grande expire. Vous commencez à remuer les extrémités du corps dès que vous sentez que vous êtes assez conscient de ces extrémités. Étirez les jambes, étirez les bras. Et ramenez une à une les jambes. Attrapez les genoux avec les mains. Et tournez vers votre côté gauche. Avant de remonter, en vous aidant les bras. Venez vous installer, assis. Et on va faire une petite méditation de 5 minutes. Donc mettez les mains sur les genoux. On va faire une méditation toute simple sur le souffle. Je vous invite donc peut-être, si vous voulez, à vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin. Donc vous pouvez préférer avoir les paumes des mains tournées vers le ciel ou les paumes des mains vers les genoux. Ou alors, encore mieux, vous pouvez mettre la main droite dans la main gauche et les pouces qui se touchent. Venez relâcher complètement tout le corps. Dans la pose, observez que vous êtes complètement confortable et venez observer votre respiration. À l'inspire, à l'expire, sans contrôle, naturel. Vous pouvez aussi décider de compter vos inspires et vos expires. Vous pouvez compter de 1 à 10 et à l'envers. Et si vous perdez le compte, alors revenez à 1. Chaque inspire compte 1. Chaque expire. Inspire 2, expire 2.
Tranquillement, venez mettre les mains en prière sur le cœur et inclinez-vous vers l'avant pour vous remercier vous-même de ce courage de continuer cette pratique, de penser à vous, à votre santé, à la santé des gens qui vous entourent. Et je vous dis namasté à tous et à toutes et restez en bonne santé. À très bientôt.